What's up les gars, comptez-vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai la patate aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se retrouve sur mon bureau avec une image d'Isaac hein, plutôt pas mal. Où il est marqué mode. Y a-t-il des modes dans Isaac? Je ne sais pas. Enfin si, je le sais. Je sais la réponse. Mais donc je vais vous la prendre. Mais bon, vu que je fais une vidéo comme ça, je pense qu'il y en a une. La réponse est oui. Il y a des modes sur Isaac. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à en installer des milliers. Des milliers de modes. Des milliers et des milliers de modes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir le mode. Alors oui, tout d'abord, je précise, c'est un lancement de série. Pourquoi un lancement de série? Vu que je pense être le premier francophone à faire de la présentation de mode sur Isaac. J'en ai vu blindé d'anglophones. Mais pour les joueurs francophones, eh bien, il n'y avait rien. Strictement rien. Même les sites sont en anglais. Et donc, pour ceux qui ne parlent pas forcément très bien anglais, qui ont entre 10 et 14 ans, eh bien, ils n'ont pas forcément encore eu directement des cours d'anglais. Et donc, ils sont encore des grosses bites dans ce monde-là. Et donc, je vais vous aider dès aujourd'hui. Donc, voilà. Ici, FoxPlan28 aux commandes. Suivez-moi. Merci. Donc, nous allons nous rendre sur ce site-là. Tous les sites ainsi que tous les liens de téléchargement seront dans la description. Donc, n'hésitez pas à y checker. Enfin, y lancer un coup d'œil. Donc voilà, ceci est le site sur lequel nous allons nous procurer absolument tous les modes dont lesquels nous allons parler tout au long de notre petite série. Donc voilà, ici c'est l'épisode 1 et nous allons nous attaquer au Ultimate Boss Rush. Fight against all bosses except Mom and Mega Satan. Battez tous les boss excepté Mom et Mega Satan. Donc, si vous avez compris, ça veut dire que ça va renouveler le boss rush. Alors, renouveler le boss rush, ça veut dire que nous allons avoir 32 vagues de boss. Et dans ces 32 vagues de boss-là, nous allons avoir absolument tous les boss. Mais, à part, comme il est marqué, à part, enfin, excepté Mom et Mega Satan. Pour cela, le lien sera dans la description. Une fois que vous aurez téléchargé le lien, enfin, une fois que vous aurez téléchargé la chose, ta gueule, toi, une fois que vous aurez téléchargé la chose, eh bien, vous n'aurez qu'à ouvrir le petit fichier rare qui sera, une fois téléchargé, vous allez vous diriger vers votre dossier Isaac. Hein, si vous êtes sur Steam, ce sera dans Steam, Steam Apps Common, The Mining of Isaac Rebirth. Donc voilà. Et si vous l'avez craqué, eh bien, ça, c'est vous qui l'aviez. Qu'il avait mis. Donc voilà. Il faut savoir que ça fonctionne pour absolument toutes les versions d'Isaac. Hein, voilà. Et donc, une fois que cela est fait, vous allez vous rendre dans ressources et vous allez y placer. Attendez. Pouf. Voilà. Et vous allez y placer. Alors, soit il y a le light, soit le hardcore, mais bon. Évidemment, nous, on va mettre le hardcore. Hein. Eh bien, vous allez placer le embouche.xml dans le dossier ressources sans rien faire d'autre. Voilà. Et puis c'est tout. Vous fermez ça. Et moi, je vous retrouve en jeu juste avant le boss rush. Ciao, ciao, à tout de suite. Ça fait quand même 4 fois que je recommence la vidéo. Alors pourquoi est-ce que je suis aussi pété que ça? C'est tout simplement parce que je me suis aidé d'un petit logiciel modé, encore une fois. Et le petit logiciel modé arrivera une prochaine fois. Voilà, seulement dans l'épisode 2, comme ça, ça ne fera pas trop patienter. Pour l'instant, voilà, ça se passe bien, ça se passe yambe. On va attendre Pin. Voilà, Pin est mort. The Husk, machin truc bidule. Voilà, merci. Toi, t'es mort aussi. Vous, mort. Vous, mort. Vous, mort. Ah, voilà. Donc, nous avons bien absolument tous les autres boss qui vont arriver. Donc, voilà. Hop. Donc, ils arrivent assez vite, hein, vu que, comme je vous dis... il est où? Ah, oui, voilà. Donc, là, il y avait The Hunt. Ok. D'accord.
Challenger et Loki. D'accord. Donc moi je vous dis, par facilité et pour être sûr de vous montrer tous les boss et pour vous montrer que ça fonctionne vraiment bien, voilà, je l'ai fait en facile. Enfin, je l'ai fait entre guillemets facilement vu que c'est littéralement du cheat hein, ce que je suis en train de faire. Mais oh, avec les anges et tout. Mais bon, voilà. Je ne ferai pas ça normalement. Enfin, si vous me le demandez, je pourrais essayer de le faire légit. Mais je ne suis pas sûr forcément de le réussir. Quoi. Donc, voilà. Mais je le ferai avec plaisir. Ça, ne vous en faites pas. Pouf, pouf, pouf. Putain, ça va dans tous les sens. Oh, Eat Lives et Mom Earth. Isaac et Satan. Hop. Lui, Satan. Hop. Puis il y a ses papates qui vont arriver. Voilà, moi je vous dis les amis, ça c'est du boss rush. Ça c'est du putain de boss rush, moi je vous dis. Meilleur boss rush que ça, y'a pas. Donc voilà les amis, c'était le premier épisode de notre série sur du modding Isaac. Donc je pense que je vais appeler la série comme ça, hein. Modding Isaac. Je pense que ça va tout péter. Je pense que ça peut être cool. Ok, on va prendre The Soul hein, si tu veux. Et donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que bah, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire. Et donc on se retrouve pour le prochain épisode où je vous montrerai comment cheater, entre guillemets, hein, sur Isaac et pour avoir autant d'items que vous voulez. Ciao ciao, bye bye. Avouez, je suis quand même méga pété quoi.